ces révélations du magazine allemand Der Spiegel. Les Américains, la NSA, l'agence de renseignement américaine, auraient espionné l'Union européenne, que ce soit à Bruxelles ou dans sa délégation à Washington. Votre homologue à Berlin a demandé des explications à l'administration américaine. Eh bien, vous êtes là ce soir, vous représentez le gouvernement français. Que dites-vous ce soir de cette révélation ? Alors déjà, évidemment qu'elle est inqualifiable si elle est confirmée. Il faut savoir que la France a été active dans l'initiative de la Commission européenne qui a déjà interrogé les pouvoirs américains et que cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères a également renforcé au nom de la France une demande de confirmation éventuelle et d'explication. Mais entre l'Union européenne et les États-Unis, nous savons à quel point cette histoire est quand même parcourue d'événements heureux, de solidarité, de compréhension et parfois d'incompréhension aussi. Mais il y aurait là un acte d'hostilité inqualifiable si effectivement les institutions européennes sont sous surveillance des services secrets américains.